sous les feux des projecteurs, sous les flashs des photographes, le stade n'est plus qu'un seul et unique cœur qui bat au nom d'une même passion, le football. Le spectacle commence et rien ne doit venir le perturber. Aujourd'hui, la structure générale des stades répond à des mesures de sécurité optimales tout en se souciant de l'esthétisme. Au niveau des fondations, la résistance au poids et aux vibrations est prise en compte. Afin d'éviter l'avancée périlleuse de la foule lors d'un marquage de but, la visibilité a été facilitée grâce à des sièges fixes comportant des dossiers et une pente de gradin minimisée. Enfin, les stades obéissent à des normes de plus en plus strictes afin de ne plus reproduire les erreurs du passé. En 2000, Christian Piton fonde au 10 rue des Jeunes à Genève, Piton Sécurité. À proximité du stade de Genève, il en assure quotidiennement sa sécurité. En directeur talentueux, il a rapidement su développer une image de spécialiste dont la réputation s'étend sur toute la Suisse romande. Au sein de ses bureaux, plus de 400 stadiers, 50 stewards de sûreté, sans oublier les agents de sécurité, ont été recrutés, répertoriés et spécifiquement formés par Christian Piton et son équipe. La formation des stadiers et stewards débute par la théorie. On a affaire à des clients. Quand ils viennent au stade, ils payent leur quittance, ils payent leur ticket, ils veulent une prestation. Ils viennent bien entendu au spectacle. C'est comme s'ils vont à la Comédie Française, ou bien à la Scala de Milan, ou bien au Grand Théâtre à Genève. Ils payent une prestation. Donc, ils attendent quelque chose en plus du spectacle. Et nous, on fait partie du spectacle. Leur arme. Ce n'est pas la matraque, c'est à utiliser le moins possible, c'est le dialogue, la civilité et le sourire. Leur maxime, c'est moins de muscles, bon il en faut quand même, hein. Mais plus de mots.
La formation va leur permettre d'accomplir avec compétence et sérieux les missions qui leur seront confiées. La formation se poursuit par une visite guidée du stade et s'achève par un exercice pratique de palpation afin de leur faire prendre conscience que tout objet dangereux pénétrant dans le stade nuit à la quiétude des spectateurs. C'est là que réside le sérieux de notre mission, c'est de confisquer les objets dangereux et c'est d'avoir le bon déclic en disant voilà, cette personne-là, on lui a fait un sourire, on est gentil, elle a bon billet, mais il y a quelque chose qui cloche. Et après, c'est le déclic sécuritaire. Donc derrière notre sourire, et derrière nos yeux, il y a les yeux de la sécurité. Et si on arrive à mélanger les deux de façon intelligente, on a gagné. Toujours plus aguerris à la sécurité, bénéficient d'exercices pratiques supplémentaires. Sous forme d'ateliers, ils apprennent à maîtriser un fumigène, à gérer une bagarre ou un envahissement de terrain. Jusqu'aux agents de sécurité Python, tous sont sensibilisés à la prévention du feu. Au stade de Genève, on ne compte pas moins de 2 stadiers feu et 2 stewards feu par tribune. Préparation précédait les 3 matchs internationaux nécessitant une organisation humaine, matérielle et notamment logistique conséquente. Suite à la formation, 360 stadiers et stewards reçoivent une convocation confirmant leur présence au match. Grâce à un dispositif complexe, chacun des stadiers et stewards sont stratégiquement positionnés afin d'accomplir leur mission avec efficacité. Des jours, le paysage se transforme, un barriérage est mis en place, la signalisation est dressée, des couloirs de palpation sont ajoutés. Le commandant de gendarmerie vient en personne proposer une collaboration dans laquelle le renseignement est la clé du succès. Attendez-vous à notre proximité, mais pensez bien que cette proximité va être active ou proactive dès lors qu'on a la bonne information pour qu'on puisse se positionner. Ne soyez pas surpris si, malgré toutes les directives qui sont déjà en place, on vous demande plus particulièrement d'avoir un œil sur tel ou tel type d'objet, mais encore de manière plus précise peut-être sur tel ou tel type d'individu. Chaque chef de tribune à son chariot avec à l'intérieur son matériel, la tenue du superviseur, les chasubles de ses stadiers, ainsi que les brassards feu, les radios pour son équipe feu, les badges pour ceux qui travaillent par exemple dans les zones VIP et le petit pique-nique pour l'équipe.
grâce à la fondation du Stade de Genève qu'ont pu voir le jour les nombreux matchs du Servette, Italie-Côte d'Ivoire, Angleterre-Argentine ou encore l'entraînement d'une semaine de l'équipe d'Allemagne. It ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. Seul un billet donne accès à l'enceinte du stade. La palpation obligatoire, mais néanmoins toujours effectuée avec le consentement de la personne, doit être précise, efficace et rapide. Tout objet trouvé doit être jeté à la poubelle ou déposé dans une consigne. À l'aide de la vidéosurveillance, le PCC permet de garder le contrôle sur les 30 000 spectateurs présents. C'est d'ici que Christian Piton coordonne les chefs de groupe, Stadier et Stewart. Devant les gros bancs, et dans des carrés de gros bancs, il y a la presse internationale, la presse brésilienne. Dans les années 60, notamment en Grande-Bretagne, de petits groupes organisés voient le jour à cause de rivalités entre différents clubs. On les appellera hooligans, en référence à la barbarie d'une famille irlandaise sous le règne de Victoria. Malgré une répression policière, il existe encore de nos jours des hooligans souvent caractérisés par de forts idéaux politiques. D'abord, je vous remercie pour le travail que vous avez effectué les deux derniers matchs. Excellent. Maintenant, ce soir, c'est le dernier examen. On a les Croates. Ce sont des gens qui aiment envoyer des fusées et jouer avec les fumigènes. Donc, ne leur donnez pas l'occasion de trop s'amuser.
deuxième ce week-end. Que Benoît essaye d'abord. Vous passez un peu plus sur le très diplomate. J'aurais aimé qu'on voit plus de jaune dans les escaliers. Moi, j'aurais voulu surtout sur le haut, puisque le problème il est sur le haut, répondez. Alors j'aurais fait asseoir certains pour ne pas gêner les spectateurs. C'est une très bonne initiative de les avoir fait asseoir. Merci, c'est extra. Terminé. C'est celui-là, là, c'est celui que j'ai. Hein. Bravo. C'est bon. Vous les reprenez ou les suivez? On les a, monsieur Piton. T-shirt noir ou bleu? C'est noir. Moi, je dirais rouge de zozo. Là, je dirais noir, non? Noir, ouais. Est-ce que les gens que nous surveillons se rendent compte de notre manœuvre? On peut l'exploiter. Le commandant est en place. Première ligne. Il a l'écharpe sur la tête. Ouais, c'est bon. C'est bon. Les stadiers. Grande partie des stadiers autour du terrain et qui seront attentifs et au bord. Derrière, 3 mètres derrière, il y aura les stewards. Tous les deux stadiers, entre les stadiers, les stewards, tout autour. Puis après, au coup de sifflet, il y a les chefs qui se tiennent prêts. Merci, excellent. Ça, c'est la tactique. Tout commence le jour où Jeanne Molly confie à Christian Piton la sécurité du centre commercial de la Praille, puis l'ensemble du site, hôtel, gare, zone industrielle et bâtiment de liaison. En 25 ans d'expérience, Piton Sécurité passe du statut d'une jeune société à celui d'entreprise nationale en pleine expansion tournée vers le monde. Son succès se voit couronné par l'arrivée de l'événementiel. Le stade de Genève renaît et connaît ses plus belles heures de gloire. La Coupe du Monde est retransmise sur écran géant à l'intérieur du stade sans aucun incident. En une année, la sécurité de plus de 250 000 spectateurs a été assurée. Avec une nouvelle vision de la sécurité et grâce au professionnalisme d'une équipe hautement qualifiée, Christian Piton prépare avec ferveur l'événement sportif européen le plus attendu, l'Euro 2008. Dans l'ombre d'une sécurité sans faille, place au sport, place au rêve, et que le spectacle commence.